awesome, man. Vamos. C'est bon. Le camion, c'est une présentation, je veux. C'est un supporter actif de la JSK depuis mon jeune âge. Après, il y a un peu de Donc aujourd'hui, si vous savez, comment dirais-je, Adéola, l'équipe qui est en place, parce que voilà, c'est-à-dire ils font du bon travail, je me suis impliqué à l'intérieur de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc moi, je parle de la gestion. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire? Un modèle d'entreprise, un organigramme, chacun son poste, chacun doit faire son travail, des réunions, des briefings chaque fin du mois, une communication directe à chaque fois avec l'entraîneur. On ne va pas faire la même bêtise qui a été faite avec M. Laval. Donc, on va essayer de faire un modèle d'entreprise. Ok, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens aux actionnaires. Moi, je les invite vivement à venir, à se réunir à l'ouverture du capital. Mais je sais qu'ils vont prendre la JSK en otage. Aujourd'hui, il a qu'à cher les supporters de la JSK, ces gens-là, il y a aucune des actions, il y a 4700 actions. Qui représente 47 millions de dinars. 47 millions de dinars qui représente 4 milliards 700 de centimes. Pour un club comme la JSK, c'est deux fois zéro. Je le dis et je le redis. Aujourd'hui, s'ils veulent, on va augmenter le capital à Drohan. S'ils veulent vendre leurs actions à Drohan. Ils ne vont jamais prendre la JSK en otage. La JSK, elle appartient à toute une région et toute l'Algérie. C'est le deuxième point que je voulais vous parler. Le troisième point, les problèmes internes. Les problèmes internes, chaque entreprise qui se respecte, il y a toujours des problèmes. Mais il faut trouver des solutions. Les faux problèmes, ils n'ont jamais de solution. Le cas, je reviens à le cas de M. Laval. M. Laval, qui était dans le Mouloud Sgilina, il n'y avait pas de contact, c'est que M. Chérif Belleb. Pour des raisons. Or que le temps a donné raison à M. Müller. C'est un bonhomme que j'ai essayé une Kenya plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il me respecte, c'est-à-dire de dialoguer avec lui. Mais dès qu'on lui rentre dans son travail, il se comporte, je ne sais pas moi. Je vous cite un cas. Parce que maintenant, à la finale, le Bina. Donc le match, les entraînements de mes joueurs, à l'hôtel, même pas 10 minutes, sur l'hôtel, il y a un stade pour s'entraîner. Il nous a fait déplacer une heure et demie, parce que là, on a le stade. Avec M. Abdeslam Petit Moulier, d'ailleurs, il n'est même que, pourquoi on se met à Adenskarva, à entraîner tout près, il y a de Kamal, il y a de Smith, Nassim Ben Abdelrahman. Donc, il y a des images. Et c'est vrai, mais il y a des images de Smith-Sinir et Chérif Mellal. Vous avez entièrement raison, car il y a des images. Nous, c'est après, parce qu'il y a les supporters différents. Il y a des images différentes avec les images. Nous avons une réunion ici. Nous avons convoqué à dire nous avons une réunion ici. Mais il y a des images de table. Il y a un chérif dans le cadre du travail. Il craint. Oui, on est là pour travailler. Vous êtes un salarié de l'équipe qui est très bien. Bon, après, il s'est calmé. On a discuté. Il était prêt pour Smith à reprendre l'équipe pour l'année prochaine. Et il a donné sur l'ossature les joueurs Rentoff, les joueurs Kaimon. Ou Gadigila Kadnaoui. Même il nous faut deux attaquants l'année. Donc tout est bien. On a mangé ensemble. On a mis le 5 parce que l'entraînement il était à 6h, 6h30. Il n'y a qu'à avoir un entraînement très bien. Le monsieur, quand on est arrivé, il se met à jouer contre le CRP, il commence à faire des contacts.
commence à faire des contacts, on connaît ça dans l'Al-Khwa. On connaît ça, les relines un peu partout, les sophitales et tout ça. On est capable de se contacter. Au premier coup, le carroyer, c'est lui, c'est celui-ci. Aucun serbe. Ça, finalement, le gars, la gueule, lui, il se bat. Ça, parce qu'on a répondu à son offre. Donc on a répondu positivement, c'est-à-dire l'augmentation de 30% du salaire, plus le double prime. Donc pour nous, ça y est, la saison va commencer. Donc on est venu de la salle. إلا مسيو عبد السلام كمال إلا شريف لا يمكن كذا كي الناس اللي عطاك نصحها بول بارك اللي كفوز في فيه وراضي نلعب بين لا دومي فينال هادي سميتها لا فينال لا ليغ دونك كما صار الناس نور كل الناس تورا اون فا ريبوندر اون فو برومي اون شوز كي فو كون انستور دابور لا كونفيونس الناس اون فوا كي لا كونفيونس سي انستالي كلشي سهل ils ont répondu que les positivement donc il y a aucun problème on a parlé national à l'épreuve, à partir de dimanche, vous aurez les 50% de vos primes. Ce qui a été, vraiment, on était content. Il y a des joueurs de fin de contrat. L'initiative de M. le Président et tout ça, il n'est qu'un loyer ou un par, effectivement. C'était à 6 ou à 7, je me rappelle, le cas, par exemple, n'est pas Abdeslam. Déjà, bien avant, et donc, vous êtes un enfant du club, mais on est là pour vous aider, il n'y a aucun problème. Mais surtout si c'est à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Nous commençons la proposition. On commence la proposition. Le président Karnias, 20% de sa proposition. La proposition, il n'y a pas de problème. Après, tu vois les mêmes qui disent ouvrez une quête à les cas d'Europe. بس الله زار البريزيدون لا فاف مسيو سميث الله يخليك عمارة ابرش ديني لك لان كي شحال نيميرو تشوزو قشيشني 26 واقيلا انا شحال 2 ناس 2 عزيز مع الوز ديني 2 ديني زار بلي كي كما سين جرا فريد هذه روح دونك ابري بون ما تولي مقلي بروبليم يدي الحقن. Aujourd'hui, le problème majeur de la justice, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ils sont ordonnés le problème de la justice. Le problème de la justice, c'est le nerf de la justice. Deux choses. Soit l'ouverture du capital pour les supporters de la justice. Je vais vous dire 6 millions à 12 millions de supporters. On va ramasser 120 milliards de centimes. Mais la moitié du financement, on va ramasser 60 milliards de centimes. La deuxième des choses, qu'on va l'accepter ou pas, une société qui va absorber les actionnaires avec les dettes, ils vont payer les dettes qu'ils ont, à ce ministre que j'ai, ça n'a pas ce ministre qu'ils n'ont. Il faut savoir ce qu'on cherche. Mais ma douane, on a signé les chutes de Bourdine, les chérifs Miller sur le travail de 3 ans, je regrette. Je regrette infiniment. Ça, c'est des saboteurs. Ça, c'est des gens qui n'ont pas jusqu'à. Je sais, à Kalechmsevogonidus, je passe pratiquement à Tnashsoy, à Vatashsoy, ou que la direction, vous avez un peu. À Douala, même la veille du match, la pétition est signée. À 4h du matin, il est hors de question, on ne va pas jouer ce match. Il est devant moi, il est mal la bouche. Aïe, l'occasion, il est là, on te lève, puisque c'est du chantage. أسكينا عميدي يدمي سوى الناس دي سبيس عبد نسي إن ياس بن شريفة جلسيت بس كنا قلش لي بريبور ان موديل فمضي جانا فريمون سي لوي ليدوكاتور دو ليكيب إن ياس عميدي يدمي فو لا بروني كون فو فولي ان شونتاج تو سكو فو فولي سي فو لا سيني با فا با جوي اور كو Il y a une chose, la chiffre de la présidence, à 9h30, ils nous ont appelé, on tessera d'abord toute la nuit, on voulait participer à la Coupe d'Afrique,
parce que sinon c'est la quatrième place. Les problèmes, commençant, donc l'entraîneur, il y a des matchs qu'Ismissou on a perdu, donc actuellement même à la fin, là, le cinquième, mais on a perdu beaucoup de fois. Donc on a pris la décision de jouer ce match. Contre-cœur, un chantage caractérisé. Le chantage caractérisé. Or que deux jours avant, il y a eu la on prenait un café, et là, la Hamid Sou, besoin de servir, on a pris des sandwichs. Il est un homme, nous pourrons mis mais fin de carrière, il est. Je me suis venu chez les femmes. Je me suis dit, je vais faire le GISCA. Tu vas faire le GISCA, tu vas avoir le diplôme, tu vas travailler avec le GISCA. Or que par la suite, il faut le souvenir. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Deux points essentiels. On n'arrivera jamais à cette situation. Et puis, on a dit Facebook, même le président, il faut placer le niveau trop haut, pas trop bas. Parce qu'il y a des manies. Il a été comme ça. Merci.